Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte des jeux du full set Wii U. Et on a tendance à l'oublier. Mais oui, The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est d'abord un jeu Wii U, avant d'avoir eu le succès qu'il a eu sur la Nintendo Switch. Moi je vais le faire vite fait, on va faire le début, on connaît Breath of the Wild. Hein. Je veux surtout le faire pour voir un petit peu la différence qu'il pourrait y avoir avec la Nintendo Switch, tandis que moi je l'ai terminé sur la Switch. Réveille-toi. T'as le son est très faible. Réveille-toi. Donc on peut y jouer à la tablette ou à la manette. Ouvre les yeux. Touche ici pour y jouer uniquement sur le... Ah oui, d'accord, on peut y jouer que sur le... Ça, c'est bien, par contre, on peut y jouer en mode portable. Oh, bah... Ouais. Ça fait maintenant quelques années hein, que j'ai fait Breath of the Wild. Ça va me faire bizarre de revenir dessus, là. Savoir qu'il y a une grosse mise à jour, hein. Je ne l'ai pas téléchargé. Parce que j'ai plus vraiment le temps. Et puis je sais que je vais pas. Voilà, là je vais le lancer pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis c'est tout. Quoi, parce que je l'ai fait sur la Switch. Je n'ai pas tout fait à 100%, mais j'ai pas mal traîné mes guêtres dessus. J'ai bien poncé la map. Et nous voilà à poil. Ok. Ah là, tous ces bruits, tous ces sons. La tablette. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Le plateau. Il n'y avait pas de truc. Ok, les coffres. Alors, c'est mieux quand même. Ah, c'est joystick de Wii, c'est vraiment quelque chose. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. En fait, c'est quand même sympa parce que... Ouais, il est jouable uniquement sur la tablette. Hein. Oh là là, l'escalade, mais oui. Et voilà le fameux plateau. La petite musique. Ah,
les frissons. J'ai des frissons. Ah, voilà. Ça y est. Là, il est revenu. Tellement hâte du 2, là. Je sais pas s'il faut que je repasse le 1. C'était tellement... Je sais pas combien d'heures j'ai joué sur le 1. Tellement de jeu à faire. Le petit vieux. On s'est quitté, va. On s'est quitté, gros. Moi, je sais. Je vais pas vous le spoiler, parce que peut-être que vous avez pas vu. Plateau du prélude. Voilà, on peut se... Comme ça, on peut se défendre. On ramasse tout. On ramasse tout parce qu'on peut faire des recettes, faire des tas de choses en ce jeu. C'est vraiment un jeu que j'ai trouvé cette liberté qu'on avait, j'ai trouvé ça fou en fait. Parce que là, voilà, vous êtes livré à vous-même. Vous voyez, là, on a lancé le jeu. Personne va vous dire ce qu'il faut faire. Là, démerdez-vous. Voilà. Donc forcément, on voit un petit... Comme on voit un monsieur juste devant nous, on se doute bien que le gars, bon, on va aller lui parler. Il est là, il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Bon, bah, on va aller lui parler. Bon, bah, au niveau définition, c'est quand même pas ouf. Hein. Il y a quand même vachement de lag. Eh, ma pomme. Allez, ça va. Bah, ça fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures, voyez. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme? Que viens-tu chercher par ici? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Et tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé abandonné de tous. Et voilà, démerde-toi maintenant. C'est tout ce qu'il nous dit. Mais... Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? Avec le feu. Ciblé. Est-ce qu'il a d'autres choses à me dire? D'accord. Ça lag, hein. Brandir, lancer. Indique la carte de la tablette Sheikah.
Alors. Donc là, j'ai l'air d'être dans le bon sens. J'ai, par contre. J'ai pas d'arme, quoi. Viens. Eh, j'ai pas d'arme. Viens, comment je peux le taper déjà? Tu me saoules. Viens pas me saouler. Oh là là, il y a plein de choses. À chaque fois, je me trompe. Ça me paraît dangereux de m'attaquer à eux. Je sais pas si j'ai tout su. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Alors. Ça coche. Ok. Ouh, ça c'est bon, ça. Bon maman. Du bon manger, ça. Alors. On ramasse ce qu'on peut. Ah, il y a des trucs là. Alors, c'est par ici qu'il faut que j'aille. Plus par là. Il y a des mecs là. Par contre, j'ai pas trouvé comment les. Comment les taper, les gars là. Merde. Putain, non, c'est pas ça. Hein. Ok, j'ai trouvé. Je vais essayer de me les faire du coup. Un petit arc, ça peut servir. Bon, détirer. Ok. Ah bah des flèches, tant qu'à faire. Ok. Minutes. Je m'ennuie tellement pas là. Ah! Où? Ah, ça coche. J'aurais dû utiliser ça. Mais t'es sérieux là? Oh! On va mettre ça plutôt. Ok. Alors, bah, je suppose que c'est ici qu'il faut que j'aille.
On va mettre la tablette. Je sais pas si c'est là que on voit le. Il y avait des tours en fait pour révéler le la map. C'était le plus important à prendre, hein. C'est prendre les tours et après. C'est bien ça, c'est la tour. Ah, ça réveille toutes les tours. Que de souvenirs. Et les tours sont pas évidentes à prendre. Et voilà. Donc le but, ça va être de récupérer ces tours et pour pouvoir avoir la map à jour. Et c'est le tour du prélude. Que de souvenirs. Donc on récupère toutes les données de la zone dans notre tablette. Et voilà, ça révèle la map. Et là, tu te dis, ok. Sauf que c'est beaucoup plus grand que ça, quoi, forcément. Forcément, c'est beaucoup plus grand que ça. Du coup, nous, on va pas aller plus loin. Franchement, ça c'est vraiment très très beau. C'est vraiment un super jeu que je vous recommande. Que ce soit sur Wii U ou sur Switch, vous devez le faire. J'espère que vous avez kiffé la découverte de ce jeu Wii U Switch. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la vidéo. Je ne veux pas trop vous spoiler. Salut tout le monde.